Good morning, Aleid, and let's use aujourd'hui le Nishmat Mongrabi Shmuel Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batran, Shlomo Ben Esther, Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah complète dans sa communauté éternelle, nous étudions Masechet Menachot, Perikhe, Mishnachet. Haomer, Ari Alai, Bamachavat, Loyavi, Bamarcheshet. Bamarcheshet, Loyavi, Bamachavat. Oma Ben Machavat, le Marcheshet. Et là, Shamarcheshet, Yesh la Kisui, Bamachavat, En la Kisui. דברי רבי יוסי הגלילי. רבי חנניה בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים, ומחבת צפה ומעשיה קשים. למשנה מודי, האומר הרי עליי במחבת, celui qui fait un vœu d'apporter comme mincha, comme oblation, une minchat machavat, une mincha dans une poêle plate, לא יביא במרחשת, il ne pourra pas l'apporter dans une autre espèce de mincha qui s'appelle la marchechet, qui est une poêle en huile profonde, un peu comme une friteuse. Et idem aussi, Bamar Khechet, s'il a fait le vœu d'apporter Bamar Khechet, dans cette poêle profonde, Loyavi Bamar Khavat, il ne pourra pas l'apporter dans la Mahavat. Soit, le but de notre Mishnah, d'abord de manière générale, il est de m'apprendre. On a déjà évoqué dans les Mishnahs précédentes qu'il y a plusieurs espèces de Menachot, de semoule, lorsque je veux faire une offrande. Il y a Minchat Solet, c'est, j'apporte donc la semoule, la farine épaisse, comme ça, mélangée, mais avant cuisson. Et on prélève un bout et on le fait monter sur le misbéar, on prélève le comète, et le reste il est consommé par les Kohanim, ensuite ils vont le faire cuire comme ils le veulent. Il y a à part ça, minchat maafé, une que je fais passer au four. On avait évoqué qu'il peut y avoir des petites inrikikines, on en reparlera plus tard ensuite. Dès la prochaine Mishnah, on va commencer à en parler. À part ça, il y a ensuite encore... D'accord, il y a plusieurs types de menachot, et en l'occurrence, il y a ce qu'on appelle la machavat et la marchechet, qui sont toutes les deux cuites dans de l'huile, mais ce sont deux espèces différentes. Une, c'est en huile profonde, et l'autre, elle est en poêle plate. Une, ça s'appelle la marchechet, c'est l'huile profonde. La Mishnah va nous expliquer même aussi pourquoi elle s'appelle la marchechet. Et la machavat, c'est la poêle fine. Il y a des différences, ça ne sort pas le même résultat. C'est très simple. Un, ça fait plus une allure de tortillas. Et l'autre, ou de moufletta, si on peut dire, voilà, on va parler pour les Marocains. Il y a soit les moufletta, soit les bons beignets marocains moelleux. Les beignets, ça cuit en huile profonde. La pâte, elle est molle, ça vous fait un sphinge. Ça fait un beignet qui est très moelleux comme ça. Tandis que l'autre, c'est au contraire, ça cuit en huile pas profonde. Et donc de ce fait, ça, la pâte, elle est plus épaisse. Et donc ça va vous sortir quelque chose de beaucoup plus croustillant. D'accord ? C'est la différence entre les deux. Le but de la Mishnah maintenant, il est de me dire, sache que quand tu as fait un vœu d'apporter une espèce, tu ne peux plus apporter l'autre. Tu as dit que tu allais faire cette mincha, tu ne peux plus changer d'une à l'autre. Si tu l'apportes l'autre, tu devras quand même continuer à porter ton devoir. Tu as dit que tu allais apporter ce cadeau, cette mincha en cadeau, donc tu dois revenir. La Mishnah, elle s'est concentrée à m'expliquer cette halakha, même entre la mincha et la machavat, entre la machéchette et la machavat, étant donné que les deux se ressemblent, c'est toutes les deux de la friture. Et on aurait pu croire que dans ce cas-là, c'est la même chose. Et la Mishnah me dit non, ce sont deux espèces distinctes. D'accord ? Donc si tu as fait le vœu d'apporter une machavat, lo yavi ba machechet, ba machechet lo yavi ba machavat. La Mishnah continue en me disant, uma ben machavat la machechet. Quelle est la différence essentielle ? Quelle est la différence de définition entre la machavat et la machechet, la poêle plate, comme on fait une chavita ? Je vous avais dit, chavita c'est une omelette, parce qu'on la fait dans une poêle. Donc ça s'appelle une minchavita, qu'on avait vu sur la minchatravita, on avait parlé de ça. C'est une poêle plate. Donc ma ben machavat la marchechet, quelle est la différence entre les deux, le maasé machavat, la minchat machavat et la minchat marchechet? La Mishnah me répond tout d'abord, et la shamarchechet yesh la kisui, va machavat en la kisui. Divera biyosi aglili. Selon biyosi aglili, la différence entre les deux, c'est que dans la marchechet, elle a un couvercle. C'est-à-dire une fois qu'on envoie la friture, alors on lui met son couvercle. C'est pas précisé après Rabbi Yossi s'il y a une profondeur ou pas. Selon lui, c'est pas tellement mis en exergue. Soit c'est pas présent, soit je sais pas. En tout cas, lui, pour lui, la différence, c'est que dans une, il y a un kisouille, il y a un couvercle. La machavat, elle la kisouille. Tandis que la machavat, la poêle plate, elle a pas de kisouille, elle a pas de couvercle. Je vous ai dit, je sais pas qu'est-ce que ça implique d'après Rabbi Yossi. Est-ce qu'il y a donc du coup, il y a plus besoin d'une huile profonde, il y a juste un couvercle, c'est la seule différence. Concrètement, le résultat, il va vous sortir différent. De manière générale, vous savez bien. Si même en friture vous allez mettre un couvercle,
Alors ça va faire que ça va garder toute l'humidité et ça va faire que ça va sortir plus moelleux. Donc finalement, on arrive quand même plus ou moins à cette même différence que la marrachette, elle est plus moelleuse que la marhavate. Mais en tout cas, la différence, elle se place sur le kisouï. Le Tosot Yom Tov rapporte, on la Gemara, que c'est une halakha de Moshe Mitsinaï. On avait une transmission comme ça. Il n'y a pas de preuve à partir du verset, à la différence de Rabbi Hanina ben Gamliel, qu'on va voir tout de suite, que lui, ça se prouve à partir du verset. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer. Selon Rabbi Hanina ben Gamliel, il y a d'autres différences entre les deux. Tout d'abord, ma Amuka ou ma Arochashin. Tandis que, ou ma Chavat Tsafar ou ma Akashin. On met l'exergue sur deux différences. Un simple, l'autre un peu plus compliqué, étant donné que c'est plus une chose et son contraire. On va expliquer tout de suite. Tout d'abord, je préfère commencer. Non, on commence par le début, c'est pas grave. Malrechet Amuka, la Malrechet, elle est profonde. C'est un cli, un ustensile à cuit en huile profonde. C'est déduit de verset. Le passage qu'elle a dit, Vechol Maasnaanesa ba Malrechet, tout ce qui a été fait dans la Malrechet. Donc, c'est quelque chose qu'on fait cuire dans la Malrechet. À la différence de la machavat, de la poêle, la Torah l'a dit al-machavat, tu la fais cuire sur une poêle. On ne fait pas cuire dans une poêle, on fait cuire sur une poêle. Tandis que quand c'est en huile, en friteuse, on le fait cuire dans une friteuse. Ça fait preuve que, un, ça baigne dedans, et l'autre, ça flotte dessus. Donc, la Mishnah a mis en scène, machreshet amuka, la machreshet, elle est profonde, ou maasea rochashim. Alors, c'est compliqué à comprendre ce mot. Et son résultat, il est rochesh. Le mot rochesh, c'est qu'il rampe. Ça fait allusion, kol rochesh al pnei adama, tout ce qui rampe sur la terre, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est un peu. Il tremblote comme s'il était un peu vivant. Ouais, vous prenez. J'ai du mal à imaginer à quoi ça ressemble. Vous prenez ce beignet, vous le posez sur la table, et bien il va vous faire un peu comme un flan qui flotte. Étant donné qu'il est plus huileux, il est plus souple. On va expliquer après plus dans les détails. Le Barthes Noir rapporte qu'il y en a qui disent qu'il fallait dire non, mais c'est un rakin. Et son résultat, il est moelleux, tout simplement. Le but, quoi qu'il arrive, le mot rochashin, il a été utilisé pour nous expliquer le côté moelleux. Quelque chose qui est moelleux, quand on le met debout, ben, il tient moins fermement que quelque chose qui est dur. Et tout ça, c'est pour faire la différence avec umachavat, tandis que ce qui est cuit à la mincha qui vient avec la poêle, elle, c'est tsafa. Elle est. Ça, littéralement, le mot tsaf, ça veut dire que ça flotte. Ça veut dire qu'elle est à la surface de la poêle directement. Ça ne baigne pas profondément dans l'huile, mais c'est cuit à la surface. Umaasea kashin. Et littéralement son action, donc le résultat, il va vous sortir dur, croustillant. Je m'explique un petit peu mieux. On s'intéresse à la forme du cli et même aussi à l'allure de la pâte. La pâte, c'est très logique. Lorsqu'on a une poêle qui est très plate, imaginez une crêpière. Alors, une crêpière, vous pourrez dedans faire une épaisseur d'une crêpe, mais sûrement pas plus. Parce que si vous allez devoir mettre une pâte beaucoup plus, imaginez, vous prenez un beignet, vous le mettez dans une pâte à crêpes. C'est-à-dire, vous avez une petite crêpière et vous prenez toute la quantité d'un beignet et vous la posez dessus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va déborder. Étant donné que la marvate, elle est très plate. D'ailleurs, comme le passage nous a dit qu'on fait cuire à la marvate, sur la poêle, pas dans la poêle. Parce qu'elle est très plate, elle n'a pas de rebord tellement haut. Donc, ça implique que la qualité de la pâte, elle soit beaucoup plus épaisse. Donc, elle est plus épaisse, ça va nous sortir quelque chose de plus dur aussi, qui va cuire aussi la meilleure des cuisines de la cuisson. Donc ça fait tsafa. Ça cuit avec une petite sans profondeur et ça donne un résultat beaucoup plus dur et croustillant. À la différence de la marrechette, qui elle est amuka, et puisque dans ce cas-là, on a de la place pour pouvoir mettre la pâte, alors là on peut faire une pâte molle. Et la pâte molle, dans ce cas-là, elle va sortir de nature plus moelleuse. D'accord? Je crois qu'on a tout expliqué. Ouais, on a expliqué avec les versets Nasaba marrechette. Et non, ça à la machavat. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.